Allez, salut, salut les gars, voilà, c'est toujours moi, Jamos Pita. Et vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russo 225. Voilà, donc c'est la vidéo du jour. Actuellement, je ne suis pas trop en forme. Et donc, c'est pour cela que je ne suis pas assez disponible sur les réseaux, sur YouTube, voilà, pour faire des vidéos. Donc, d'abord, dans un premier temps, je voulais remercier d'abord ceux qui me soutiennent en inbox, ceux qui m'envoient des messages et tout ça. Et en même temps, je voulais rappeler à tous ceux qui m'envoient les scans de leur écran ou bien de leur téléphone, je voulais leur dire comme ça que j'ai déjà parlé de cela. Voilà, je ne résous pas directement. Je ne résous pas directement, c'est-à-dire vous êtes devant votre écran et puis vous m'envoyez les fichiers pour que moi je puisse vous répondre, pour que je puisse continuer avec vous. Non, c'est vrai que je réponds à d'autres personnes, mais vous voyez que c'est pas vraiment aisé, c'est pas vraiment adéquat, donc je ne continue pas ça. Voilà, donc je vous avais dit déjà au préalable, mais il y a toujours des étudiants qui m'envoient cela. Donc pour tous ceux que j'ai pas encore répondu, sachez que je vais vous répondre. Voilà, si vous voyez que je vous ai pas encore répondu, essayez de laisser votre commentaire sous les vidéos YouTube pour que je puisse vous répondre, parce que là-bas j'ai déjà mis une grande notification, ça me rappelle pour que je puisse répondre à vos questionnaires. Voilà, donc aujourd'hui je suis juste là pour vous présenter, pour vous parler de la bourse de Danemark. Voilà, il y a une université du Danemark, comme ça je vais mettre le lien en commentaire, comme ça vous allez voir. Donc c'est au Danemark du Sud, il y a l'université du Danemark du Sud qui offre des bourses aux étudiants étrangers. Voilà, et j'aimerais en même temps rappeler que cette bourse là, ça consiste en même temps à soit une bourse, soit une admission. Donc ceux qui veulent déjà postuler pour aller étudier au Danemark, sachez que ce sera une très grande opportunité pour vous. Voilà, donc c'est pour cela que je voulais faire cette vidéo là. Et cette bourse là aussi est très facile à obtenir. Donc ceux qui veulent postuler, n'oubliez pas, vos documents doivent être en anglais. Ça, c'est ce qui est d'abord primordial. C'est ce que je vous dis à chaque instant. Même si vous allez étudier en langue danoise ou bien dans une autre langue, sachez que pour que les gars puissent visualiser vos documents, vous devez mettre ces documents-là en anglais ou bien en langue danoise. Mais langue danoise, ça sera un peu compliqué pour vous pour les traductions. Donc, vous mettez ça. Vous mettez vos documents en anglais. Et puis, ceux qui sont déjà sur la plateforme, vous voyez que en réalité, les bourses que je mets en ligne à chaque fois, il faut traduire les éléments et tout ça. Donc commencez déjà à traduire vos documents. Commencez déjà à traduire vos documents. Si c'est la bourse de l'Italie, si c'est la bourse d'une bourse où vous allez faire une langue, même si vous allez étudier la langue, sachez que d'abord, dans un premier temps, ils doivent visualiser vos documents. Donc vous êtes obligé de mettre ces documents-là en anglais pour que les gens puissent visualiser et essayer de vous donner une admission ou bien une bourse. Comprenez, voilà. Et puis avant de poser les questions aussi, essayez d'aller d'abord sur le site. Vous allez voir qu'il y a parce que moi je ne dis pas toutes les informations. Moi le but de mes vidéos dans un premier temps c'est pour vous donner d'abord l'information. Vous comprenez, moi je vous donne l'information, donc je ne peux pas donner toutes les informations en une seule fois. Voilà, sinon c'est pas maintenant qu'on va quitter ici. Je ne vais pas vous donner toutes les informations. C'est pourquoi lorsque je donne des informations comme ça, vous prenez le lien, vous allez sur le site, vous vérifiez d'abord les éléments, et ce que vous ne comprenez pas, voilà, vous pouvez maintenant écrire en inbox pour dire voilà cela et voilà cela pour que moi je puisse vous répondre. Voilà, donc ne regardez pas directement comme ça la vidéo et en même temps commencer à répondre. Non, allez-y sur le site pour aller vérifier. Donc voilà, donc c'était un peu ça, c'est ce que je voulais vous dire. Donc la bourse du Danemark, est lancée, le Danemark du Sud. Donc allez-y et puis essayez de postuler comme vous pouvez. Maintenant, si de là-bas vous avez des soucis, vous écrivez inbox ou bien vous écrivez pas inbox, mais vous écrivez en commentaire pour que je puisse vous répondre. Voilà, donc les gars, c'était un peu ça. Et je voulais aussi vous donner l'information qu'il y a plusieurs universités italiennes qui ont déjà lancé des bourses. Voilà, donc je vais prendre un peu de temps. Et je vais vous faire signe pour que si au moins les postuler. Voilà, donc les gars, à plus. Et puis voilà, prenez soin de vous. Je ne suis pas trop en forme, voilà, mais je fais l'effort quand même. Donc à plus les gars.